En bel bonsoir, mes regardez nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la question. Tu es nous capable pour dernier round cheval et puis Jacques répond. Bel bonsoir. Bonsoir Gisèle. Ah ouais, tu dis tu as fait au divin parce que ça m'a senti que voir clair, non? Oui, moi bien, moi bien. Bien. Ah, oui, ça se voit. Oui. Alors Jacques, c'est vrai que au tellement bien hier nous t'ai quitté comme nous j'ai quand même parlé de voyage et pour parler du Haïti. Oui. Haïti qui c'est la première république noire qui même si nous savons qu'il y a une grande difficulté, mais c'est un côté aussi que la mission voyou là. Haïti, en tout cas, tous les Haïtiens qui ont écouté, je suis un bel big up, je suis un beau parce que c'est un peuple formidable que je découvre. Je n'ai pas pensé à un jour découvrir Haïti. Je arrive à Haïti parce qu'il y a un promoteur qui crie. Tu as un album qui fonctionne bien en Haïti. Il serait bien que tu viennes en Haïti parce que les gens aiment tes chansons. C'est le double effet? Non, c'était l'album T'en vas pas. Je m'en dis, où c'est? Oui, oui, donc, j'arrive en Haïti. Je me dis waouh. Alors j'ai fait toutes les salles possibles, hein, en tant qu'Athénique, Esclof, Flowville, Jumbala, Léo Gann, enfin, j'ai fait toutes les salles d'Haïti. Et c'est un peuple formidable, un peuple qui porte moins la main en Haïti. C'est un peuple. J'ai trouvé des musiciens formidables qui ont. Parce que ça arrive dans des pays où les musiciens qui jouent morceau, soit ils ont écorché moi, soit ils n'ont pas qu'à respecter, mais. Ouais. Et moi, trouver des musiciens haïtiens qui vraiment qui portent, qui portent musique, portent composition moins. On a des souvenirs extraordinaires en Haïti. Saint-Marc, Léo Gann, Flauville. Franchement, c'est des souvenirs indélébiles. Et puis, c'est des mouns. Ma garçon, j'ai un fois monté l'hôtel. L'hôtel là, c'était le Montana. Et puis trop probablement, le Montana ouais. Détruit. Ouais. On a monté au hôtel de Montana, sous les hauteurs de Pétionville. Donc, concert fini, ma carrière entre au Montana. Et puis, en bas, il y a un monsieur qui a dit, Jacques, répond. Et puis, madame, lui. Nous aimons tellement, nous venons chez vous. On dit, ah bon, mais oui, nous ramenons nos enfants tout. Ben, il y a ça. Mais comment c'est, j'ai dû avec moi, je suis innocent, je suis innocent. On dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils m'ont pris de Pétionville, ils m'ont emmené manger chez eux jusqu'à Saint-Marc. Ils m'ont viré manger à l'hôtel. Oui, tenez l'hôtel là. Et puis, le lendemain, les mains de l'organisateur, ils disent, t'es fou, t'es malade. En plein milieu, tu vas venir chercher, tu vas manger, tu vas manger, tu vas manger, ça arrive, tu es malade ou fou. Je dis, écoute. Mais vous partez tout seul. Non, partez tout seul, je ne suis jamais seul. C'est pour dire que, bon Dieu, ça, Dieu a toujours eu la main sur moi. Et m'en vu des bains en Afrique terrible, moi c'est pépé de la vie, moi. Et bon, Dieu était là à chaque fois, à chaque instant. Donc il n'y a pas de raison. Donc vous pouvez comprendre pour dire que je vais chanter bon Dieu. Parce c'est que ça. J'ai foulé des choses incroyables en Afrique. Si bon Dieu partait, puis moi je partais que là et puis autres. Donc moi pour dire bon Dieu merci pour tout ça, il fait bas, moi. Alors d'autres voyages quand elle la réunion aussi. Ah, il y a la réunion. Pour venir pour Haïti, il faut dire que je vais dire merci à Haïti parce que. Toute la communauté haïtienne installée aux États-Unis m'a appelé pour faire des concerts. Hein. Chicago, New York, Atlanta, New Jersey, donc voilà. Donc la communauté haïtienne, formidable. Alors, tu disais... La Réunion. La Réunion, ouais, la Réunion. Oh, t'es la Réunion. Oui, excellent souvenir, la Réunion. Excellent souvenir. Santa Caio m'a dit parti de Paris le vendredi soir. Et puis, virer le lundi matin à Paris pour aller travailler. Mais entre le vendredi soir, donc tu arrives le samedi matin, tu as au moins 8-6 prestations le samedi soir dans des discothèques différentes. Et puis, virer prendre avion le dimanche soir pour travailler le lundi. La Réunion, c'est extraordinaire. Des gens formidables. Formidables. Un pays beau à craquer, mais seulement pas à toi et bien, non, mais quand même. Parce que c'est retient. Tu veux venir me voir aussi? C'est retient, si, oui. Ah, la Réunion, excellent souvenir. Excellent souvenir. Et en Martinique. Ah, en Martinique. C'est ça. On dit que nul n'est prophète dans son pays. C'est ça. C'est-à-dire qu'en Martinique, ce qui me. Tu sais, les plans de Dieu sont finement préparés. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que. En Martinique, comme on connaissait en tant que Zouko, mais sans plus. Jacques répond, ah ouais, il a chanté Sissi Love. Ah oui, effectivement. Mais, je suis estimé que bon Dieu a réservé moi pour une autre mission. J'estime que Dieu me préparait à sa mission
pour me faire connaître en Martinique. Pourquoi je te dis ça? Parce que les Martiniquais, oui, quand j'ai fait Cicelo, on a cassionné les fêtes patronales, tout bail. Mais c'est à partir du moment où j'ai fait le concert de, au Grand Carbe, le concert de Louange avec l'album Mon âme chante, c'est là que j'ai. C'est là que la Martinique m'a connu. Et moi, j'ai l'impression que. Ils ont découvert moi dans la spiritualité. Oui. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Ils ont sépé découvert moi dans le zouk, qu'on frère zouk, café zouk. Ils ont découvert moi dans la spiritualité et m'ont pensé que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu voulait que mon peuple me reconnaisse à travers mon adoration pour lui. C'est en grâce de Dieu. C'est une grâce. Et les gens qui me croisent dans la rue ne me parlent que de spiritualité. Ils ne parlent pas, ils m'ont dit zouk, moi. C'est ça. Quand le prochain concert. Il y a un monsieur, comment qu'a marché moi, le ministère du temps libre. Donc, on a marché tout là. Donc, il y a des gens qui disent ah, on était à ton concert, grand mais qui t'en a fait en l'autre? Faut venir faire en l'autre. Mon Dieu, ça t'est belle. Donc, les gens ne me parlent plus de ma carrière. C'est ça. C'est spiritualité, c'est ce que Dieu voulait. Je pense que c'est ce que c'est Dieu voulait m'emmener à ça. Voilà. Et il a réussi. Alors, nous arrivons, avant que nous goûtons, nous arrivons à faire un petit crochet par côté d'Afrique, puisque c'est là qu'ils porteront l'eau. Et nous allons aller montrer en vidéo. Peut-être que ça qui fait au sourire d'ailleurs. Merci, d'accord. Manuela. Un petit vidéo de modèle Mania Simon Maïla qui a porté par côté, mon quoi, c'était au Bamako. Bamako, au Mali, oui. Ah, stade de Bamako, au Mali, oui, je sais, oui. Alors, contrairement à ici, Jacques, il a nous gardé ces images-là. Ici, il y a quand même des barrières vos bandes de rangées. Et là, c'était des boucs. Tout ça qui était chimisme blanc, c'est la sécurité. Ah ouais, sécurité. Mais il était débordé à la fin. Ben oui, parce que c'est madame-là qui a tombé les temps. Non, mais oui, parce que moi, on m'a pas filmé toutes ces images-là, mais c'est pour gâter. À la fin, il était débordé. Et moi aussi. Moi aussi. Parce que nous, combien madame Vini presque a tombé les temps. Oui, mais ça, c'est l'amour de l'Afrique. Quoi. C'est-à-dire que quand l'Afrique est mûre, il est mûre. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de conditionnel. On t'aime, point, barre. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça, bah, l'Afrique, c'est ça. C'est, l'Afrique, c'est ça. Et une intention, à présent, quand on a chanté spirituel, là aussi, on a pensé qu'à la porte-là, qui est ouverte de même manière. Oui, on a qu'à crier moins. Et puis l'album, c'est l'unité. Oui. Mani en festival qu'a fait au mois de. Festival gospel. Au mois de novembre au Burkina Faso. Après, je continue sur le Gabon, toujours dans le spirituel. Puis il y a le Bénin, le Togo qui m'ont déjà mis toujours dans le spirituel. Ouais. Donc, c'est-à-dire que même génération qui était sur moi dans le zoo. Dans le zoo, qu'a suivi vous à présent. Voilà. Et c'est l'œuvre de Dieu, ça. Et là, on a parti comme ça, donc on a parti tous à l'épico ou on est des musiciens qui accompagnent? Non, on a parti tous à l'épico, mais des musiciens déjà sur place. Déjà sur place. Voilà. Donc, on est toujours seul, et puis bâton, pèlerin, c'est guitare ou. Et puis bon Dieu. Micro ou, et puis bon Dieu. Et puis bon Dieu. Voilà. Ah, donc, exactement. On n'a pas qu'à greffer comme les pièces musiciens. Ça s'est arrivé, moi, enfin, j'étais invité moi, à faire un concert, c'était au Tchad. Non, au Tchad, il y avait des musiciens. En N'Djamena, il y avait des musiciens sur place. Mais au Congo, Brazzaville, moi, prendre des musiciens à Paris, et puis nous aller jouer. Ouais. Mais ça, les organisateurs, pas toujours ni à l'eau moyen. Ils ont dit, ouais, il faut payer des billets d'avion, comme une billet donc, d'avion. Donc, à la limite, venir tout seul. Venir. Il y a puis, tout sur place. Oui, oui. Ça t'est arrivé, moi, de partir, et puis deux musiciens à Paris, deux ou trois, les principaux. Ouais. Mais toutes les autres musiciens étaient là-bas à répéter ces morceaux. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Alors, nous parler des rencontres de Mamaï Afrique et tout ça, mais ni des rencontres aussi, où nous parler de Jacob, Jean-Philippe Martelly, Edith Lefel aussi. Ah ouais, oh là là. Ah, Edith Lefel, c'était vraiment, 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 vraiment. Moi, j'ai du mal à parler d'Edith parce que premier voyage que j'ai fait en Haïti, Edith a fait partie de la bande. Mais qu'a changé, c'est en quelle année? Nous étions partis pour jouer fin d'année, en quelle année? Je ne m'appelle pas, Seigneur. Donc, il y avait Edith Lefel, Leila Chico, Jacques Rapon et Thierry Cam. Nous partons en tournée en Haïti. Edith Lefel, on est le 31 décembre. Non, pour Noël, on avait déjà joué à Saint-Marc. Donc, on a fait Noël, 24-25. Edith me dit, wow, j'ai envie de rentrer voir mes enfants. J'ai pas envie de rester ici jusqu'au 31 décembre. Hein. On dit, voir avec le promoteur. Hein. Bon, finalement, elle est restée. Et le 31, elle me dit, pour Jacques, j'ai envie de rentrer. Le 31, j'ai dit, oui, le promoteur, mais moi, j'ai envie de rentrer. Elle m'a dit, ouais, et puis, regardez, c'est qu'à rentrer. Non, c'est pour te dire que
il me dit, qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, mais dis-lui que tu as envie de rentrer voir tes enfants. Mm-hmm. Et mais tu sais, il a demandé au promoteur pour me dire, voilà, rentre voir tes enfants le 31 décembre. Ouais. Donc, elle n'a pas fait le concert avec nous. Mais avant ça, dans l'après-midi, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? T'es où? Je suis dans ma chambre. Mais comme le promoteur m'a dit, oui, je peux entrer voir mes enfants, donc ouais, je ne vais pas être au concert avec vous ce soir. J'ai envie de déjeuner avec toi à l'hôtel. Mm-hmm. Elle m'a appelé dans ma chambre d'hôtel. On est descendu manger dans le hall de l'hôtel dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Le Montana. Il dit, mais comme je prends l'avion ce soir, faut que je déjeune avec toi. Elle a déjeuné avec moi et puis elle a pris l'avion. Et puis c'est au courant du mois de janvier qu'elle est décédée. Ouais. Mais Edith, c'était une fée. Vraiment une maman, une fée, une gentillesse, une douceur extrême, incroyable. Il n'y a pas de nom. Mm-hmm. Il n'y a pas de nom. Vraiment, j'ai un excellent souvenir. Excellent. Et dans l'avion, c'était ni bon blague aussi. Et des petites blagues. Et Marie-Céline Croné. Ah, Marie-Céline. Ça fait longtemps, je la vois à la télé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Marie-Céline, elle fait des chœurs sur mes albums. Marie-Céline, c'est un monde qui m'aime en l'eau. Malheureusement, on ne se voit pas souvent, mais j'aime beaucoup Marie-Céline. J'aime beaucoup sa voix, sa personnalité, son aura, son charisme. Marie-Céline, ouais. Tu vois, sans arrière-pensée. Mais c'est normal, Marie-Céline, parce qu'il y a un bail qui a dégagé, comme pas expliquer. Ouais. Donc, ma fille qui a coûté. Inaturel. Ma belle, Marie-Céline, elle est au top. Alors, il y a aussi Jean-Luc Rosier qui collaborait. Puis... Oui, nous faisons un concept double effet. Mm-hmm. Et puis, concept Tala, nous partis en tournée au Gabon, parce qu'ils ne connaissaient pas encore l'Afrique. Ouais. Hein. C'est moi qui m'en ai à l'Afrique. On est parti en tournée au Gabon, au Burkina Faso, et moi m'en ai en Afrique du Sud. Mm. Comment tu es une antinotorie en Afrique du Sud? Bouga dit, emmène qui tu veux en Afrique du Sud, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai emmené mon épouse, et puis j'ai emmené mon dit, Jean-Luc, on nous fait un tour. Ouais. Donc, c'est un album double fait, on a beaucoup tourné avec double. En Guyane aussi, En Guyane aussi, oui. Ah, nous, bien tourné en Guyane, vraiment. Ouais. C'était génial. Si maman de aujourd'hui, est-ce qu'on va songer combien d'albums vous fait? Combien d'albums? Ouais. Mon passe ça, peut-être 14, hein. Peut-être 12 ou 14, entre 12 et 14. Hein. Moi, pas même ni au tout, ni en demain, pas ni. Hein. Ouais. Peut-être 12 ou 14 albums, moi qui a pensé, ouais. Oui. Et les objectifs, ou ni, qui ça vous a envie fait, là? Ah, chanter Dieu dans le monde entier, chanter ma foi dans le monde entier, sur toutes les scènes du monde. Mm-hmm. Dire au monde entier qu'on a un Dieu formidable qui nous connaît, qui compte même les poils chivés nous compter. Il nous connaît, ils savent qui ça qui est bon pour chaque monde. C'est nous qui pas commander. C'est-à-dire que chaque monde a une grâce, un panier grâce. Ou ça, on a un panier grâce car attendons là, mais on pas qu'à y chercher. Donc, moi, j'ai envie de chanter dans les scènes du monde, dans le monde entier, dire au monde que, surtout par les temps qui courent, les temps sont mauvais, par rapport à tout ça qui a passé, faut nous pas bondir la vie, nous, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le monde ne va pas en étant meilleur, c'est pour parler bon français. Tout va la empirer. Donc, il est temps que le monde reconnaître que Dieu est Dieu. Que si vous respirez, c'est bon Dieu. Si vous fermez les yeux ou pas, si vous veillez ou pas, les organes sont bien. On a cette enveloppe qui est le corps, qui protège les organes, le squelette. Nos sens fonctionnent. C'est pas magique, c'est pas le mot qui convient à Dieu, mais c'est qui monde qui peut faire ça? Nous pas là par hasard, c'est pas un créateur bling bling qui fait ça. C'est pour dire aux gens que Dieu est Dieu et que tôt ou tard, comme dit la Bible, tout œil le verra, tout œil s'inclinera, s'agenouillera pour reconnaître que Dieu est Dieu. Tout genou fléchira pour reconnaître que Dieu est Dieu. Vous faites ça, olé. Donc j'ai envie de chanter dans le monde entier pour dire que Dieu vous aime, Dieu est bon. Mais parce que si Manuel reste en vidéo, non, nous passer toutes sans problème. Des petits souvenirs. Tout passé, sans problème. Bon, ben, apparemment, oui. Aussi, Manuela. Donc, Bout, par contre, il y a un dernier qui a quitté ben nous. Nous, Bout. Oui. C'est le soldat de l'amour. Ah, oui. Oui, moi, j'estime que c'est. Nous tous, nous poussons l'amour. Nous poussons l'amour parce qu'on est amour. On a été créé par un Dieu d'amour. Donc, je m'estime que nous, tout logiquement, nous sommes pour être soldats de l'amour.
normalement. L'amour, c'est pas ni bah équipe belle, pas ni bah équipe. C'est l'amour qui fait que oui, puis nous là, nous, mm-hmm. moi et pour nous là, hein, si maman et papa battent les mains, nous battons les griffes. Donc, l'amour, c'est ce qui est, c'est la valeur la plus sûre, la plus salvatrice. C'est l'amour qui sauvera le monde, mm-hmm. en dépit de ce qui se passe dans le monde, tac, tac, tac. Mais on sait que le mal existe, mais c'est l'amour qui sauvera le monde. Et on doit être soldat de l'amour partout dans nos actes, dans nos pensées, dans nos actions. Même si nous pas parfaits, mm-hmm. mais essayons de semer l'amour à chaque occasion qui nous est donnée. Par nos actes, par nos pensées, par nos postures. C'est ça que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas parfait, mais bon Dieu, capable, mais la grâce dit, si je mets l'amour, tout pas tout m'a passé. Alors c'est vrai que nous savons que COVID là freiné en l'eau bagaille. Vous prévoyez peut-être joindre le public martiniquais avant qu'on repartit en novembre? Non, en novembre, ça qui est juste. Ça qui est juste quand même. En novembre, je suis parti pour une petite tournée africaine. Mais j'ai espéré que Dieu, que bon Dieu, qui va mettre la vie pour me faire un spectacle ici au début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. Bon, pour que vous qui, moi, qui t'en fais, moi, j'ai une idée, mais pourquoi qu'on dit. Pourquoi qu'on dit. Gardez bien, pour que vous sachiez que je vais réussir. Absolument. C'est bien, pile plaisir, hein, Jackie, que nous prenons en découvert. Merci. L'homme timide de son jeune âge, mm-hmm. qui, je dis, a changé de cap. Oui. Et qui a parlé de bon Dieu, qui a parlé, qui a chanté bon Dieu. Tout à fait. Tout ça, nous espérons, c'est qu'il bon la force et puis courage. Oui. Pour continuer dans nous des belles bagailles. Merci. Et puis, vous savez, souvent, il y a un cadeau. Ami, c'est qu'à chanter bon Dieu, c'est soit il a un gros poil, soit sans maladie, soit madame l'équité, soit il a un problème, soit il a une problème de la justice. Donc, il a dit que m'a fait un examen là, m'a ou bien. Oui, voilà. Il y a toujours qu'à penser que souvent, bon Dieu là, vous, c'est parce qu'il a un problème. Non, il y a un moment où il faut dire bon Dieu merci, il y a un moment, là, j'emmène la raison, puis là, je développe la foi. C'est ça. Donc voilà, maintenant, envie de chanter foi à moi, et puis je n'ai pas ni pièce problème. Bon Dieu, qu'a béni moi, j'ai une belle famille, j'ai une jolie famille, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants, je suis heureux. Dieu me bénit. Et puis voilà. Eh bien, nous contents, nous, bon Dieu bénit nous aussi, d'ici vous. Merci en pile, Jackie, nous cassons de passer en belle nuit. On soit en bas à Boaïe, puisque nous sommes en Caillou. Donc voilà. D'accord, okay. Quant à moi, je cassons de passer en belle la semaine. Un bon week-end surtout. Merci Manuela. Et puis nous allons prendre la semaine prochaine. Prends l'autre maman qui est en fond d'autre matinique, nous qui découvrons. Nous allons quitter les autres musiques. Et puis soldats.